Fric! Je fais quoi, Fric? Le cirque est là! Il y a le cirque en ville! Le cirque est en ville ce soir! Là, maintenant, tout de suite, dans notre quartier! Je veux aller au cirque, je veux que tu m'amènes au cirque, je veux aller au cirque! Quoi? Je veux aller au cirque, Fric, il y a une représentation ce soir, je veux y aller! Oui, tu me caches la lumière! C'est le moment de me parler de ta lumière quand je te parle. Je te dis que le cirque est en ville. Passe-moi le tournevis. Fripp, est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? Mais non, pas le marteau, puis le tournevis. Alors, est-ce que tu veux bien qu'on y aille, Fripp? J'ai dit le tournevis, puis le tournevis. Oh, Fripp, depuis quand que tu m'en parles de ce cirque, il est en ville. Oui, j'ai besoin du tournevis. Alors dis-moi, Fripp, on va y aller, hein? Le tournevis, puis j'ai dit le tournevis. Oh, j'ai rien fait, moi. Bon, excuse-moi, mon petit pouille, mais c'est que ça fait 5 fois que je te demande le tournevis. Et toi, tu parles jamais. Voilà ton tournevis. Oh, c'est pas vrai. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais là avec tout ce fourbi, hein? J'installe notre nouveau système d'alarme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, comme tu l'appelles, mon très cher petit pouille, hein? C'est notre passeport pour le nouveau monde. Hein? Oui, avec ça, tout le monde voudra être notre ami. Mais enfin, surtout à moi. Oui, le système d'alarme, c'est le dernier chic dans le quartier. Et tu vois, grâce à moi, nous en avons un. Et je l'ai fabriqué de mes propres mains. Qu'est-ce que tu en dis? Quoi ça sert? Mais enfin, mon pauvre petit pouille, la question n'est pas là. Avoir un système d'alarme, c'est à la mode. Oui, ça fait très nouvelle vague. C'est très... in. 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 Et comment ça fonctionne, là, ton truc? Oh, c'est très simple. Tu vois, quand nous sortons de l'appartement, oui, eh bien, il suffit de mettre le code secret sur le petit tableau que tu vois là, ce qui enclenche le système d'alarme. Dès lors, quiconque tente d'entrer dans l'appartement et qui ne connaît pas le code secret, eh bien, il déclenche le système d'alarme. Et alors? Ben quoi, et alors? Enfin, puis les bandits seront mis en déroute. Hein? Comment un petit tableau de rien du tout peut-il mettre des bandits en déroute? Il distribue des coups de bâton. Mais non, non. Les bêtes, mais non, ça ne distribue pas des coups de bâton. Ben alors comment peut-il mettre des bandits en déroute alors? Je vais te faire une petite démonstration. Oh oui, une petite démonstration, oui. Alors, comme je te disais, avec ce bruit, les bandits seront mis en déroute. Qu'est-ce que tu en dis? Je comprends toujours pas, Fripp. C'est pourtant pas compliqué, Pouille. Si quelqu'un tente d'entrer dans la maison par la porte qui est là, eh bien, automatiquement, le système d'alarme va se déclencher. Oui, mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi quelqu'un voudrait entrer ici durant notre absence, puisqu'on n'est pas là. Personne n'a à venir ici quand on n'est pas là. Oui, l'important est de savoir que plus personne ne peut franchir cette porte en notre absence. Mais si. Ils peuvent passer par ici. La question n'est pas là. Bon. Ben où elle est alors la question, hein? La question est que dorénavant, nous avons un système d'alarme, que tu le veuilles ou oui. Oh, mais fallait le dire tout de suite, Fripp. J'aurais compris. Bien, je vais te montrer comment ça fonctionne. Oh, oui, je veux savoir. Mais d'abord... Tout d'abord, il faut trouver notre code secret. Mais n'oublie pas que tu ne dois donner ce numéro à personne. Et ça pour tout l'or du monde, tu comprends? Jamais. C'est un code secret. Ok.
Sus et bouche cousue. Ce serait pas du tout in si quelqu'un savait notre code secret. Ah non, ce serait pas in du tout. Ce serait même anti-in. Je dirais même plus, ce serait barbare. Complètement barbare. Bon, alors maintenant, trouvons notre code secret. Oh, dis-moi qui choisit le code secret. Je vais choisir le code secret. Je vais choisir le code secret. Très bien. Oui. Quel numéro choisis-tu? Laisse-moi fléchir. Mais enfin, puis grouille-toi! Oui. Ça y est, bon. J'ai notre code secret. Parfait. Qu'est-ce que tu dirais de... Un, deux, trois? Mais non, mais ça va pas, tu n'y penses pas à la fin, Pouille. Un, deux, trois. Mais c'est la première combinaison à laquelle on va penser. Et qu'est-ce qu'on va dire de nous dans le quartier? Oh, un, deux, trois. Je trouve ça très bien, moi. Un, deux, trois. Bon, tu es bête comme la pluie. Mais non, Pouille, il faut trouver un code secret qui soit très difficile à deviner. Comme ça, aucun bandit ne pourra le découvrir. Si tu le dis. Tiens. D'ailleurs, j'ai une idée. Que dirais-tu de 8 trillions, 775 milliards, 897 millions, 145 000, 245.02 Ouais, c'est pas mal. Mais oui, c'est un super code secret, ça. Jamais personne ne pourra mettre la main dessus. Et d'ailleurs, ce sera ton code à toi et à moi. Jamais personne ne pourra le découvrir. Comment dis-tu déjà? 8 trillions, 775 milliards, 897 millions, 145 245.02. 8 trillions, 775 milliards, 897 millions, 145 245.02. Ouais, c'est pas mal, mais il me semble que pour être un petit peu plus in, on devrait changer de numéro. Regarde. Ça devrait plutôt être 8 trillions, 775 milliards, 897 millions, 145 245.07. Donc tu disais 8 trillions, 775 milliards, 897 millions, 145 245.07. C'est ça. Bon. Oui, oui, c'est assez in. C'est d'accord. C'est d'accord. Nous allons mettre notre code dans le système d'alarme. Dans la mémoire, c'est ça? C'est ça. Alors, nous disions 8 trillions, 775 milliards, 897 millions, 145 245... .07. C'est ça, 07. Voilà. Maintenant, nous sommes sous la protection de super système d'alarme. Chic, chic, chic. Oh, je me sens déjà beaucoup plus Patate. Oh oui, je me sens beaucoup plus vite. Qu'est-ce que tu essayais de me dire tout à l'heure? Le cirque est là. Il y a le cirque en ville. Le cirque est en ville, c'est toi. Là, maintenant, tout de suite, dans l'autre quartier. Je veux aller au cirque, je veux que tu m'amènes au cirque. Je veux aller au cirque. Mais enfin, qu'est-ce qu'on attend, mon petit Pouille? Allons-y. Chic, chic, chic. Nous allons mettre le système d'alarme en fonction. D'accord. Je fais le code. 8 trillions, 775 milliards, 897 millions, 147 245.07. Bon, allons-y. Dépêche-toi, dépêche-toi, puis nous n'avons qu'une minute pour sortir de la maison. Je suis prêt, Philippe. Oh, le cirque. Oh, Fripp, c'était fantastique! C'était fantasmagorie! C'était vache! J'ai adoré ça, le cirque! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton système d'alarme! Oh, qu'est-ce que c'est déjà le code? Je m'en souviens plus. Mais comment ça, tu t'en souviens plus? C'est ton code, c'est toi qui as voulu choisir le numéro. Madame voulait pas de mon code. Mais voyons, pourtant.
523 trillions 56, non, c'est pas ça, zut! Oh. 28 trillions 90 milliards. Je l'avais pourtant dit. Prends 1, 2, 3, c'est facile à retenir et ça s'oublie jamais. Eh non, madame voulait faire à sa tête. Madame voulait la... Pouille, tais-toi. 1, 2, 3, c'est pourtant pas compliqué. Eh non, madame voulait faire à sa tête. Pouille, ça n'est vraiment pas le moment. Tais-toi, tu vas alarmer tout le quartier. Qu'est-ce que tu y as fait? J'y ai fait. Attends, j'ai une idée. Tais-toi. Attention, attention, puis il nous regarde encore. Fais attention. Malfaisant. Non, ne le provoque pas, Pouille. Bon, alors maintenant, nous allons nous débarrasser de ce machin diabolique. Je ne veux plus le voir. On va le mettre dans cette boîte. Oui. Je vais mettre mon cadenas dessus. Oh, bonne idée. On sait jamais. Voilà. Alors où on va mettre cette boîte là, hein? Je sais. On va la mettre là-dedans. Ça, c'est une bonne idée. Comme ça, on n'entendra plus jamais parler de ce système d'alarme de malheur. Comme ça, demain, on la descendra aux poubelles et on en sera débarrassé pour de bon. Excellent travail, mon petit Pouille. Merci beaucoup. Toi aussi, ma petite Fripe. Comme ça... Tout est bien qui finit bien. Oui, d'ailleurs, on n'en avait pas vraiment besoin. Oh non, et on trouvera d'autres façons d'être in. Bon. Bonne nuit, mon petit Pouille. Bonne nuit, ma petite Fripe. Qui a fait bip? C'est pas moi. Ben alors, qui c'est qui a fait bip? Je sais pas, moi, c'est pas moi qui a fait bip. Mais enfin, Pouille, il n'y a que toi et moi dans cette pièce. Et si c'est pas moi, c'est toi qui l'a fait bip. Fripe, ce n'est pas moi qui ai fait bip. Tu en es sûr? J'en suis sûr, tu as dû probablement rêver. Bon, j'ai rêvé. Couche-toi. Eh oui, je me couche. Pouille, tu rentres.